Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le 20 juin, nous sommes jeudi et je devrais dire mais bienvenue chez Meilleur Placement, ça y est c'est fait. Youhou, grosse nouvelle, donc notre alliance est scellée avec Meilleur Taux pour vous. Et grâce à vous, par vous, grâce à votre énergie, on est arrivé quand même déjà très très loin en quelques années. Hein. Vous êtes 180 000 à lire les newsletters, vous êtes près de 15 000 clients, on a près de 800 millions d'actifs, mais on voulait aller encore plus loin, on voulait aller encore plus vite. Et en fait, on a une ambition qui est très simple, c'est de devenir le numéro 1 du placement en France, du placement indépendant bien évidemment, en dehors des banques, et donc du conseil et de la distribution en placement. Eh bien, on va le faire. On va y arriver. On va y arriver d'abord parce que vous nous avez donné des ailes. On va y arriver parce que maintenant, on va avoir les moyens avec Meilleur Taux qui nous permettra de régler énormément de problèmes de développement. Et puis surtout, aujourd'hui, et c'est intéressant de voir que notre alliance a été scellée le jour où les taux français sont devenus négatifs, les taux à long terme. Aujourd'hui, emprunter, c'est gérer son patrimoine. Le crédit, c'est le placement. Le placement, c'est le crédit. Les deux sont extrêmement liés. Quand les taux sont à zéro, on est obligé de gérer la partie emprunt et la partie placement de façon conjointe. Et donc, d'un côté, bah, vous aurez le meilleur du crédit avec Meilleur Taux. Et de l'autre côté, vous aurez le meilleur du placement avec Meilleur Placement. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'en profite quand même pour vous remercier parce qu'on ne serait pas là où nous sommes arrivés aujourd'hui sans vous. Vous savez que je ne pratique pas la langue de bois. Si vous n'aviez rien fait, je vous dirais vraiment, vous n'avez rien foutu. Je suis énervé contre vous. Mais là, vraiment, vous nous avez aidés. Comme je le dis, je le répète, vous nous avez donné des ailes et on va monter plus haut, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut avec vous, grâce à vous et pour vous. Voilà, c'est dit. J'espère que vous n'êtes pas en train de pleurer chez vous devant cette déclaration émouvante. Dans le reste du monde, aux États-Unis, ça y est, c'est parti, la baisse des taux. La Banque Centrale Américaine, comme attendu, délivre un message dans lequel elle dit que compte tenu du contexte de la guerre commerciale, des inquiétudes sur l'économie, bon, a priori, elle va baisser les taux. Donc maintenant, ça y est, c'est parti, c'est le jeu. Est-ce qu'elle va baisser d'un demi pour cent, trois quarts pour cent, dans un mois, dans deux mois, trois mois? Donc on va voir que ça dans les semaines qui viennent. En attendant, bah, bien évidemment, les marchés ont flambé. Hein, tant qu'on leur donne de la coke monétaire, ils y vont à fond. Surtout, ce qui est intéressant, vous en parlez depuis un moment, l'or, hein, l'or, le grand gagnant de 2019, il s'est envolé, il est au plus haut depuis 5 ans, on est quasiment à 1 400 $. Alors, il faut dire qu'un des inconvénients hein, de l'or, moi, je me rappelle quand j'ai commencé sur les marchés, on me dit, ah ben, l'or, c'est pas intéressant parce que l'or, ça ne rapporte rien. C'est-à-dire que si vous placez votre argent dans un dépôt, une obligation, ben, vous avez un rendement. Ben, si vous déposez votre argent dans l'or, ça ne rapporte rien, c'est stérile. Le problème, c'est que c'était un inconvénient avant, mais maintenant, que placer son argent ne rapporte pas d'argent, voire en coûte, ben finalement, l'inconvénient principal de l'or a totalement disparu. Sale temps pour le prince saoudien, qui est aussi prince que moi d'ailleurs, Mohamed Ben Sliman. Lui, il pensait être peinard avec, vous savez, son découpage en sushi du journaliste Khashoggi. Et puis finalement, un rapport de l'ONU dit quand même, mon gars, tu l'as bien découpé, il va falloir que tu répondes de tes crimes. Bien évidemment, il n'y arrivera rien, mais il est quand même emmerdé, parce que pour son image, c'est pas terrible. Le comeback du jour, alors ça y est, on parle que de lui, il est en une de tous les journaux français. C'est incroyable comme à chaque fois, on est obligé d'aller chercher des idoles pour pouvoir les adorer. C'est la nouvelle référence d'Emmanuel Macron. Aux fonctionnaires comme lui, Rothschild comme lui, donc vous avez deviné, c'est Georges Pompidou. Donc tout le monde en parle, il paraît que c'était le meilleur président du monde. Moi, comme je suis très très vieux, je l'ai un peu connu, voilà. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, surtout pour les plus jeunes, de lire la biographie d'Éric Roussel sur Pompidou. C'est une des meilleures biographies qu'il y ait. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Mon financier, meilleur placement, vous avez compris. Je vous souhaite une bonne journée.